Quand il est parti, personne ne voulait. Mais on a dit qu'il va venir. Il va venir. C'est inscrit dans son destin. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est Dieu seul. C'est pour ça que tous les Ivoiriens, du nord au sud, au centre, partout, tous les Ivoiriens l'attendent avec joie. On n'est pas là pour dire du n'importe quoi. On est là pour réveiller, pour manifester la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc Laurent Gbagbo est naturellement enclin à poser des gestes d'apaisement. Et je pense que son arrivée va faire émule. Et partout en Afrique, les gens vont prendre pour exemple le président Laurent Gbagbo. Celui qui arrive là, c'est celui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Et déjà son arrivée, on dit merci à Dieu parce qu'on sera encore plus soudés. Le peuple ivoirien, avec la grâce de Dieu, les prisonniers, nos parents encore qui sont encore en prison, il faut qu'on les libère aussi. Sinon, pour l'instant, on sait que la réconciliation arrive à grands pas.